Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est sur Medieval Dynasty, c'est le dernier jour de l'été. Et aujourd'hui, on va aller faire une petite quête. Alors, il nous reste une quête pour clôturer la saison à Ornica. C'est quoi ça? Plus 0%, bizarre ça. Sixième année, ok. Été. Ah, mais on voit l'heure là, incroyable. Oh. Donc, ça, c'est bien. J'ai toujours pas d'héritier, mais ça devrait pas tarder. Alors, est-ce que j'ai des flashs? J'ai une soixantaine de flèches. Let's go, les amis. Let's go. On est très bien en termes de gestion. Franchement, on est très très bien. On n'a pas besoin de plus. On va clairement faire de la quête maintenant pour améliorer la dynastie. Et dès qu'on a fini la quête, on chasse. Donc, en fait, on va faire de la quête. On back, on chasse. Ça va être un petit peu le rythme qu'on va avoir jusqu'aux taxes, en espérant qu'on a assez de thunes, parce que de toute façon on a absolument tout débloqué pour l'instant. Et du coup on est très très bien. Bien sûr on s'arrête si on a du bison quand même, on va pas se mentir. Par contre j'ai pas pris d'autres arcs, ça c'est peut-être une erreur de ma part, et je suis sale en plus, ça c'est vraiment la merde. J'aurais peut-être dû prendre... Attends, j'ai pas pris un autre arc? Il y a 16%. Ça c'est peut-être l'erreur. C'est peut-être l'erreur. On verra. On verra si c'est l'erreur ou pas. Oh, il m'a fait peur! Oh la vache! Il est fou lui! Il me saute dessus. Donc là, on s'arrête que pour du bison au pire des cas. Et encore, franchement, vu que j'ai pas récupéré l'autre arc comme un con, je suis parti sans. Je me tâte. Hein. Autant on va d'abord voir ce que c'est la quête et on back. Mon avis sur le retour pour tuer des bêtes, parce que là, quand même, un petit bison, ça mangerait pas de pain. Mais bon. J'ai pas envie de me retrouver en galère s'il faut que je chasse. Je suis sale et tout en plus, donc il faut que je fasse vite la quête. Et vite que je back en vrai. Ok, un bison. Bon, voilà. C'est mort, j'ai envie de le tuer. C'était sûr. Il y en a deux même. Ah, j'ai plus d'arc, les gars. Autant je vais devoir faire un aller-retour. Ok. Je suis dégoûté de ce qui vient de se passer. Oh la vache, comme il m'a défoncé! Waouh! Il m'a ouvert en deux, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Bon, j'ai encore de l'arc, ça c'est la bonne nouvelle. Oh, comme il m'a ouvert en deux? Ah mon dieu, quoi! Il m'a mis combien de coups là? 3 coups? 4 coups? Waouh! Oh, faut pas déconner, hein. Faut pas déconner avec ça, moi je te le dis. Mais tout va bien. Tout va bien, j'ai un petit peu d'arc. J'espère que ça va suffire. Allez, 400 mètres. Let's go! Bon, après, il doit y avoir un lac pas trop loin pour me laver au pire. On va trouver un arc pas trop loin. Le problème, c'est qu'il y a des loups et tout, là. J'ai peur, hein. J'ai mon arc qui est en PLS. Hein. Il y a des loups, je vais devoir traverser les loups. Franchement, je m'arrête même pas, je vous le dis. Oh là là, il y en a 4. Il y en a à droite, 3 là-bas. Oh là 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 là, faut que je les contourne. J'ai pas le choix. Allez, un autre là. Non, mais je vais crever, en fait, là, c'est sûr. Parti comme c'est parti, on va pas y arriver, là, les gars. Il y avait 5 loups là, mais c'est un délire. Autant l'hiver dernier, il n'y avait pas moyen de croiser un animal. Autant là, on se tape toute la faune possible et imaginable. C'est l'enfer cette histoire. Bon, ça va, on est arrivé à s'en sortir. On va quand même essayer d'aller au village. Enfin, j'ai 2 de vie, hein. Faut pas que je crève. Faut que je fasse attention. Je prends un coup, je suis mort, je pense. Bon, ça serait con de faire la quête et de quand je back mourir comme un pégu. C'est pas vraiment dommage. Ah mais après le bison il m'a tellement défonce. Il m'a tellement défonce. Et là faut chasser des loups et là je suis en PLS. S'il me dit chasser des loups, je suis au bout. S'il me dit d'attendre la nuit, c'est pas trop un problème parce que je back direct. Je me fais heal par ma compagne.
Et ça devrait le faire. Mais j'avoue que je suis pas en... je me sens pas en sécurité. Hein. J'ai peur de la session qui se passe très très mal là. Hein. Très très peur de la session là. Très peur que cette session se passe mal. Où est-ce qu'elle est la... Hop, elle a l'air d'être par là. Enfin, c'est elle, elle va pas me demander de chasser elle. Qu'est-ce qu'elle veut? La nuit, on entend d'horribles hurlements. LOL. Est-ce que je peux dire un gros lol ou pas? Il faut que je tue 4 loups. Est-ce que je peux rigoler juste vite fait ou comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Bon bah let's go. Franchement, ils étaient par là-bas, je pense. On va essayer de les retrouver. Ah là là, et je me tape la quête où faut tuer des loups. Qui l'eût cru? Et j'ai un arc à moitié mort et j'ai plus de vie. C'est pas parfait ça? Alors, je sais où ils sont. On va juste essayer de pas se faire bouffer. Je rends sa quête et je me casse. On tente le tout pour le tout. On tente d'accomplir l'impossible aujourd'hui, les amis. Tuer 4 loups sans crever. On sait où il y en a 4. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les buter sans crever. Ça, c'est une autre limonade. Normalement, on devrait pas être loin, là. Il y en a déjà un, là. Ok, ça part de là. Oh, la vache! Oh, me fais pas des peurs comme ça. Me fais pas des peurs. Le mille pertuis, ça redonne pas de la santé? On va regarder, vite fait. Parce que là, j'ai trop peur de me faire croquer. Il y en a un autre là-bas, en bas. Ça redonne pas un peu de santé, ça? Ah, ça enlève l'empoisonnement. Rien à foutre. On s'en fout total. J'en ai vu un autre par là. Il est là. Je pense que je l'ai eu. Ok. Oh, il y en a encore deux là-haut, mais c'est la folie là, les loups là. Oh! Oh! Non, 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 non! Oh, le lapin qui m'a fait trop peur. Mais c'est un délire! C'est un délire, mais il y en a combien? Oh, je peux plus tirer avec mon arc en plus là, faut plus que je me loupe. Hein. Combien j'en ai tué là? Mais combien il y en a? J'en ai tué 3. J'ai pas rêvé, donc j'ai bien tué celui d'en bas aussi, je crois. Oh, calme-toi le lapin là, parce que là je suis à bout là. Là c'est compliqué. Ah. C'est bon, on a tué les 4. Franchement, je prends même pas le risque. Même pas le risque d'aller récupérer quoi que ce soit. J'ai plus d'arc. J'ai plus de santé. Là, il n'y a même pas de session de chasse au retour ou quoi que ce soit. C'est, je fais la quête et je me barre. Je me barre. Le bison m'a tellement mis mal. Bon, j'ai récupéré quelques trucs, hein, du coup, mais bon. On va passer quand même voir si on arrive à récupérer de la fourrure. Mais vu le nombre de loups qu'il y a, c'est n'importe quoi, en fait. C'est abusé. C'est juste abusé. Elle s'est barrée? Ah non, elle est là. Qu'est-ce qu'elle me donne? 100 pièces, 13 flèches en fer et une torche. Ok. C'est pas déconnant. J'aurais quand même pris 100 pièces. Allez, on va back direct. On va back direct. On aura fait toute la quête de la, toutes les quêtes de la saison, donc ça aura été assez ok. Ce sera fait plaisir. Je vais même pas récupérer la fourrure. Je fais rien du tout, j'ai plus d'arc de toute façon, donc j'ai plus les moyens de tirer. Hein. Là, tout ce que je peux faire, c'est courir et rentrer. Ça sera déjà pas mal. On va faire de la fourrure, on va se heal. Que la rivière, j'ai l'impression qu'il y a plus d'eau quand... Je suis pas sûr, c'est peut-être une allu, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'eau quand... Quand il pleut.
Bon, là, par contre, il va falloir être assez vigilant sur où je mets les pieds. Parce que vu la quantité de loups que j'ai croisé dans le coin, autant te dire que j'ai pas envie de me faire bouffer comme une merde maintenant. Alors que je m'en suis sorti jusque là, quoi. Le truc, il est là, quoi. Ouais, j'ai pas confiance. Ouais, c'est vrai, j'ai pas trop confiance, là. Je suis pas trop en confiance. Par contre, celui qui était à travers les baies, je l'ai pas eu. Je suis persuadé de l'avoir, pourtant. Je suis persuadé d'avoir été dessus. C'était peut-être lui. Au moins que ce soit celui que je viens de dépecer, là. Je suis vraiment pas sûr de ça. Il y en a un de loup, hein. Je l'entends, pas loin. Je crois qu'il y en a un. Ouais, du coup, les bisons, tu crois qu'ils m'attaquent si je passe à côté? C'est même pas la peine, je n'aurais pas assez de vie d'arc pour le taper, je pense, pour le tuer. Je sais pas du tout. C'était peut-être celui que je viens de dépecer que j'ai eu derrière, mais je suis pas sûr de l'avoir eu. Hein. En vrai, celui qui était dans les baies, là, je suis pas vraiment sûr. Faire vite faire un tour de gestion pour voir. Ça a l'air d'être ok. Ça va être ok pour tout le monde. Ok. C'est que l'atelier... j'ai quand même envie de virer quelqu'un de l'atelier. Hein. J'ai juste de la cruche, ça sert à rien, quoi. J'ai envie de la mettre au... Qui c'est qui est à l'atelier? C'est Villemenir. Il est dégueulasse en chasse, mais franchement, tu feras toujours plus que dans l'atelier. Hein. Bon, ça sert à rien, là. Ça sert vraiment à rien. Ok, bon, on est sorti de l'endroit un peu chaud. Ici, on devrait pas croiser de loup ni de quoi que ce soit qui m'attaque. Donc, on est ok. Waouh, 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 waouh. Cette session était dingue. C'est la session la plus rapide que j'ai fait de ma life. Là, pour le coup, ça a pas duré. On n'aura pas eu le temps. Non mais là c'était trop chaud là, c'était abusé. Là. Dès le début j'avais 10 de vie, l'autre elle me donne une quête de chasse à faire alors que j'ai pas de vie, pas d'arc. J'ai des flèches mais bon, je peux pas trop les lancer à la mano quoi. C'était vraiment chaud. Hein. Là, pour le coup cette session était vraiment compliquée. Bon on s'en sort, c'est le principal. Hein. Faudrait pas qu'on chute quand même. On se casse une cheville ou pire. On s'éclate la mâchoire. Hein. C'était un délire cette histoire. Faut absolument que je récupère un arc. Du coup, j'ai pas fait la quête du roi cette fois-ci, mais maintenant je pense que je la ferai désormais. Pour voir un peu. Ah, mais il est là mon village. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et les petits cochons! Très très vite récupérer un arc là. Ça va être vite vu, cette histoire. Hop, voilà. Bon, ça déjà c'est fait. On va aller voir ma femme. Non, c'est pas elle. Elle lui ressemble, mais c'est pas elle. C'est elle. Tu vas me heal genre de suite. Voilà. Ah, je peux pas encore le faire? Ah si, nice, merci beaucoup. Je vais aller me laver. Oh là là, le stress là. Oh, c'était dur, hein. Ouais, c'était un peu dur, hein. Attends, faut que je me lave. Ok. Ok. Bon, on est reparti, les affaires sont reparties. On va poser des loots. Ouais, une hypertuie, de la viande, du cuir, de la fourrure. Donc, tout ça, on va le poser... Et on va faire de la botte pour aller vendre. Avant d'être demain, parce que demain ça va reset. Hop. Hop. Et c'est tout. Est-ce qu'il me fait un peu de la viande séchée lui hein? Il me fait de la viande séchée. Hein. À mon avis, ça suffit pas, mais. Hein. Du coup, est-ce que je lui ai dit de faire que de la viande séchée? Je m'en rappelle plus.
Maintenant, ils sont deux, donc ils vont m'en faire de la viande séchée. Ils sont à 3,35 viande séchée de l'heure. À un moment donné, ça va commencer à suffire. Hop. Hop. Alors. Rappelle-moi, c'est 12 laines, 16 laines. Je me rappelle plus combien c'est. Combien c'est exactement les super chaussures de la mort? C'est 16 fourrures et 12 cuir. Donc 160 fourrures. 160 et 120. 160 et 120. Puis on va aller vendre tout ça, ça va être cool. 160 et 120. Tu. Où est-ce que je vis là? Il y a tellement de trucs. Ah ouais. Oh, j'en ai tellement. Et 120. Oh, c'est lourd. Par contre, je suis en train de me dire que... peut-être falloir que je remonte un peu le cuir, parce que je suis à la ramasse en cuir. Mais après, j'ai pas fait de session chasse, on n'est pas l'hiver. Peut-être que cet hiver, je ferai une petite session chasse. Là, il nous reste l'automne pour quête un peu. Cet hiver, je pense qu'on va faire une session chasse. Bah après, là, on était censé faire une grosse session chasse en bacant, hein, on va pas se mentir. Hein. On aurait pu ramener une quantité de cuir assez phénoménale. Mais, bah voilà, hein, on a eu des petits aléas, on va dire. Des petits aléas. Bon, je vais y aller comme ça, parce que ça va plus vite. Hein. On va pas se mentir, ça va quand même bien plus vite comme ça. Demain, c'est l'automne. Est-ce qu'elle va accoucher, ma femme, de mon héritier? J'espère. J'espère qu'elle va accoucher de mon héritier. Ça serait vraiment cool. De voir un petit peu ce que c'est la suite de la quête. La suite des quêtes. Là, je vais me retrouver avec un nombre de bâtiments possibles à faire. Je vais recruter comme un fou, là. Je vais recruter du monde comme un fou. J'ai presque envie de faire un deuxième atelier de couture pour faire deux mecs qui font des bottes en fourrure. Ce que je pourrais faire d'ailleurs. En vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est pas con ce que je dis. Parce que là, avec deux trucs de chasse, ça va être phénoménal hein, ce que je vais produire. Hein. Ça va être phénoménal. Allez, encore 4. Ensuite, on va récupérer 2-3 trucs qu'on a produit dans le... qu'on a produit qui est dans le stockage de ressources, et puis on va les vendre. Tranquille au bilou. On aura fait notre journée, mine de rien. Je sais pas si on aura fait notre journée. Hein. Là, il fait pas beau, donc je sais pas trop quelle heure il est, mais... Perfect. Bon, allez, let's go. On va récupérer quelques trucs à vendre. On va aller vendre. Je sais pas s'ils auront beaucoup d'oseille là-bas. Je suis déjà à 10 couteaux en pierre. Ça va vite. Hein. Les pelles. Les pelles, en vrai, je m'en sers pratiquement pas. Hein. Bottes en fourrure, on vend. Ah, c'est, ça remonte un peu le bâton, j'ai l'impression. Hop, cruche en argile, on vend. Par contre, j'ai 171 fourrures. Hein. C'est assez fou, ça. Allez, on va vendre. J'ai quand même 171 fourrures, c'est assez énorme. De toute façon, demain, c'est nouvelle saison, donc il va falloir réparer déjà un peu les trucs pétés, ça c'est sûr. J'espère qu'elle aura accouché. Hein. Je pourrais recruter un peu là. Bon, on va voir s'il y a des gens qui ont de l'oseille, mais ça m'étonnerait ici. Hein. Ça m'étonnerait fortement. Elle, je crois que c'est dead. À moins que tous les jours elle récupère un peu. Elle a 187. On récupère pas des masses. Hein.
récupère vraiment pas des masses. Ok. J'ai 2200, j'ai déjà assez pour payer ma traite. C'est assez fou. Mes tacs, je veux dire. Je suis full engrais, full fil de lin. Jamais été aussi bien. J'ai jamais été aussi bien. La seule chose qui me manque, c'est de quoi faire un... Il me reste 4. Les seules choses qui me manquent... Bah c'est de quoi construire en fait. C'est l'expérience pour construire plus. C'est tout ce qui me manque. Je te vends ça, je te vends les 3 maillets aussi là. J'ai 3900 balles. C'est fou. C'est fou comme je suis bien. En vrai, c'est pas bête de faire un deuxième truc de couture. Hein. Pour mettre un deuxième mec dedans qui me fait les bottes, comme ça, moi je fais que quête. Hein. C'est eux qui produisent les bottes, moi je les vends. C'est pas si déconnant. Hein. En vrai, c'est pas si déconnant. Parce que là, avec deux trucs de chasse, je te dis que je vais en faire de la botte. Hein. Ça va aller très très vite. Hein. Qu'il dit qu'il est content. Pour mener les cochons, c'est bien. Il est mort? Non. Vous avez de la bouffe au moins, les gars. Vous êtes blindés de bouffe. Donc ça, c'est bien. Cure 79, mais ça monte vite. Ok, j'ai regardé la bouffe. J'ai tellement d'argent, je pourrais même acheter des poulets en plus pour les revendre. J'ai des œufs. Ok, on est pas mal. En vrai, je peux aller si je veux chasser un peu. Hein. J'ai le time. Hein. Regardez un peu la gestion, mais... Il manque des travailleurs. Hein. J'aimerais bien qu'ils grandissent, les petits. Hein. C'est ça qui m'intéresse surtout, vous savez. Et puis le nombre de mères que j'ai. Oh ben, Dieu de bon Dieu, regarde tous les enfants et les mères que j'ai. J'aurais largement assez pour faire bosser tout le monde. Attends, je vais manger. Manger un petit peu. Un chair de poisson, ça se mange comme ça? Oh. Ah, ça c'est pas mal. T'avais pas besoin de la transformer. En fait, j'avais pas vu ça. On n'est même pas obligé de la transformer en fait. Contrairement à la viande. Ah, donc peut-être que c'est intéressant quand même de faire un pêcheur, hein, mine de rien. Parce qu'il apporte de la bouffe, il apporte de la bouffe que t'as pas besoin de transformer, quoi. Et la taverne, tu mets que de la viande. Ah, on va peut-être en refaire un, du coup, les amis. Ouais. Je pense qu'on va, refaire une cabane de pêche, alors. Parce que finalement, ça a peut-être un intérêt, parce qu'ils peuvent la manger, ils peuvent le bouffer, en fait. Donc au final... Au final, ça fait plus de monde. Enfin, les mecs qui bouffent ça, c'est bon, quoi. Moi, j'ai pas besoin de les nourrir. Quelle heure il est dans le jeu, là? Il est 16h18. Qu'est-ce que je fais? C'est bizarre d'avoir rien à faire. Oh, j'ai cherché vite fait deux bisons, là-bas. Ouf. C'est incroyable. Je peux pas faire une maison, de toute façon. Je suis à 35 sur 35, donc je peux pas faire de cabane de pêche. Puis de toute façon, j'ai personne à y faire travailler dedans. Mais clairement, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en fait, la chair de poisson se mange. J'avais pas vu que ça se mangeait cru. Et ça change tout. Parce qu'ils peuvent le bouffer, du coup. Peut-être consommer. Donc, carrément que si, en fait. En fait, je suis sûr que ça suffit à lui tout seul. Il suffit à nourrir tout le monde, le mec. On va reprendre la forge. Et on va remettre. Où est-ce qu'il est ? La lance de pêche. On va la remettre. Maille en bois, ça sert à rien à 10%. Je suis en pierre, pas de ressources. Il n'y a pas de pierre. Oh, et c'est con ça.
Tac. Voilà ce qu'on va faire. Oui, tu. On va les former de la pierre. Pioche en pierre. Let's go. On les forme un petit peu de pierre. Nous sommes à l'âge de pierre. Je marche un peu dans les champs, mais bon. Je fais ce que je veux. Je suis leur chef. Mais par contre, la pierre. Tu casses deux bouts de cailloux, faut que tu changes de coin, ça c'est un peu la galère. Hein. C'est quand même pas mal la galère. Deux. Super. Incroyable. On a eu deux. Cinq. Ok, un peu mieux déjà. Épuisé à ce que ce bordel. Oh, tout est épuisé. Mais si à chaque fois je sors une pierre, c'est même pas la peine, hein. L'autre lieu de forme de l'argile, bah, de toute façon, c'est ce que je vais lui dire de faire. Hein. On s'en fout de l'argile. Hein. On n'en a plus besoin en fait. Je vais arrêter l'argile de suite. Je vais faire 10%, voilà. Et tu vas me faire de la pierre à fond. Ça sert à quelque chose. Et l'autre là, qui est dans l'atelier. Ah bah je l'ai viré de toute façon. Ouais, il n'y a plus personne dans l'atelier, donc ça sert à rien de faire de l'argile. Je vais me faire de la pierre qu'on soit jamais en galère. Même si ça pèse lourd, tant pis. Pire, je ferai un deuxième stockage. Une pierre, ça me donne. Vous vous rendez compte? C'est pas scandaleux, ça? Ça me donne une pierre à chaque fois, c'est pas scandaleux? Ah, 3 là, ça m'a donné. Ouais, ben. Ça pourra en lâcher un peu sur le bord aussi. Hein. Épuisé. Mais comment ça peut être épuisé? Genre, je viens jamais ici. C'est pas évident à farmer ça. Hein. Mieux qu'il y ait quelqu'un qui le farme parce que. Deux pierres, super, j'en ai 12 depuis tout à l'heure. Je vais 100 fois plus vite l'hiver. Non mais cet hiver, je vais me faire un stock de 100 pierres. Hein. Ça va être vite vu. Hein. Quand je dis 100. Quoique là, elle va farmer toute seule en vrai. Hein. Ah, 3 sur ce coup-ci. Eh ben. Épuisé, d'accord. Donc là, plus le truc est gros, plus j'en ai, c'est ça? Mais bon, ça dépasse pas les 3-4 quoi. C'est quand même pas incroyable. Hein. Tu vas aussi vite en les récupérant par terre quoi. Deux pierres. Deux pierres sur ce gros bloc là. C'est. J'ai envie de chialer. Il y a vraiment quelqu'un qui farme ça chez moi. C'est des psychopathes les gens. Trois pierres. Ouais. Ah ouais, ça m'épuise tout le coin. Hein. C'est la folie. Hein. Ok. Je suis même pas sûr d'avoir assez. Si je sais pas, j'aurai assez de vie, je pense, pour le tomber. Après, ma pioche, elle va rip. Eh ben, tout ça pour 24 pierres. Je suis exténué, les amis. Ça m'a crevé, cette histoire. Tout ça pour 24 pierres, ça m'a crevé. L'hiver, je l'ai fait en même pas une minute, les 24 pierres. Quand on voit bien le sol. Je l'ai fait en même pas une minute. Ça vaut vraiment pas le coup de les former comme ça. Bon, là, de toute façon, elle va les former, donc on va être bien là. Mais ça vaut clairement pas le coup. Hein. On va se faire un petit pécule de 500 pierres. Même cet hiver, je suis à deux doigts de les former au lieu de.
Parce que là, c'est vraiment dégueulasse, hein. On va pas se mentir. Regarde, regarde. Regarde, à la vitesse où je les récupère par terre quand je les vois. Je vais plus vite. C'est scandaleux, ça. Non, je pense qu'il faut, faut peut-être une meilleure pioche aussi. Hein. Peut-être que c'est moi qui me fourvoie sur le matériel. Non, mais regarde, tac, 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 tac. Je les récupère plus rapidement par terre. C'est pas scandaleux, cette histoire. Je tape du caillou, je récupère moins de pierres qu'en les ramassant par terre. Ça c'est scandaleux quand même. Un petit problème là les gars. Ah c'est, je suis lourd. Bah tu m'étonnes. J'ai récupéré plus de pierres sur le retour que ce que j'en ai tapé pendant 10 minutes. On en est à ce stade quoi. Ouais, pas terrible le minage là. Il va falloir que je le pète ça. Ça par contre, il va falloir que je le pète. Hein. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Je suis lourd, hein. La vache. J'en ramène un petit peu quand même. C'est pas la folie, mais j'en ramène un petit peu. Tac. Alors, tiens, du bâton. J'ai du bois de chauffage sur moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? 45 pierres, ben voilà. Là, on va pouvoir faire quelque chose. Les gourdes, tu poses. Très bien. Qu'est-ce que j'ai en trop, là? Couteau en pierre, il va falloir que je fasse. Super. Couteau en pierre, c'est 10 bâtons de pierre, non? Allez hop, on va en faire 5. Ça consomme une quantité phénoménale, mes chasseurs de couteaux en pierre. Il faut que j'en fasse 100 un jour. Le jour où j'ai assez de bâtons et assez de pierres. Voilà, là, l'autre, elle fait que former de la pierre. Hein. Encore autant me dire que c'est ce qui va se passer. Hein. J'annonce. J'annonce, c'est un petit peu ce qui va se passer. Je vais littéralement faire une centaine de chaque truc là. Hein. Comme ça, on sera tranquille. Hein. J'ai même une four en fer. C'est incroyable ça. Bâton, couteau en pierre. Voilà. Mais sinon, on en est ouf. 233 bâtons. Ah, ça descend, les mecs, les bâtons. Je trouve que ça descend. Je trouve que ça descend grave, les bâtons. Je trouve que ça descend grave. Et en termes de rondins et tout ça, qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte un peu trop? Les bâtons, ça descend. Ah oui, on fait de la planche. La planche, ça monte pas mal. Le rondin aussi. Par contre, le bois de chauffage, ça monte pas du tout. Hein. Ça monte pas du tout. Hein. Je sais pas ce que je pourrais descendre. Il n'y a pas grand chose à descendre. Hein. La planche, à la limite, je laisse le rondin et je fais les planches moi-même. On descend un peu la planche, à la limite. Parce que, ouais, c'est vrai que le bout de bois, là, c'est pas la folie. Hein. Après, ça a l'air d'être équilibré. Parce que je viens quand même d'en récupérer 50. C'est peut-être équilibré. Hein. C'est peut-être moi aussi qui tape dedans. Hein. C'est vrai que c'est moi qui tape dedans. C'est vrai que c'est moi qui tape quand même pas mal dedans. Avant, j'étais un riche honnête. Un maire honnête. Je farmais moi-même mon bois. Mais depuis quelques temps, c'est vrai que c'est plus le cas. C'est peut-être un peu ça le problème aussi. Bon, on va se coucher. On arrête la VOD là. Merci à tous, les amis. Demain est une nouvelle saison. Du coup, on va avoir des choses à faire. On se retrouve de... Hey, où est ma femme? Bah, j'ai perdu ma femme. Bon, mais si quelqu'un voit ma femme, vous me l'envoyez. Merci à tous. Abonnez-vous, c'est la famille. Ciao, ciao.